de l'intitulé Om Shmi. Je me dis qu'à un moment, on s'est rendu compte que ceux qui utilisaient l'audio, ou alors c'est parce que ce n'était pas bien composé, les productions étaient moindres par rapport à ceux qui utilisaient le Shmi. Oui, on a pouvoir les passer de l'ancien au nouveau. Bon, cela est dû, c'est qu'au niveau des années 1800, avec l'avènement de l'industrialisation, où la population est en train de y avoir le pouvoir, les grands savants, moi je vais les appeler comme ça, hein, les grands savants économistes ont commencé donc, à penser à la politique de consommation. Donc cela est dû à la politique de consommation, c'est-à-dire qu'on poussait les gens à consommer au maximum. Plus on consomme, plus ça donne de l'argent. C'est ça qui a fait donc, que les gens sont passés de l'ancien au nouveau. Et donc c'est ça. Voilà vraiment le... Ok, oui, pour aller là sur ça, je vais pas chuter par là. C'est simple. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la fin de toute une guerre, les gens ont faim. Et comme les gens avaient faim, en Europe, ça il faut le préciser, on n'avait pas faim en Afrique. Oui, je dis bien, on aurait commencé à dire des vérités. En Europe, ils avaient faim. Parce que dans tous les cas, tellement ils avaient faim que les Syriens sont partis, quand on va nous dire, on est rentré. Et sinon, on n'avait pas le problème. À la fin, on dit, ok, il va falloir nourrir la population. Qui a eu le reste des armements? L'azote, c'est quoi? C'est quand vous prenez l'azote, c'est lorsqu'on mélange avec un peu de phosphate, ça explose. Donc, c'est les choses qu'on utilise pour l'armement. Que ce soit le triphosphate que vous utilisez là, ou bien le potasse que vous utilisez là. Oui, tout ça. Ce sont les choses qu'on utilisait tout l'allemand pour faire les charges. On s'est rendu compte que ça contient ces éléments-là, azote, phosphore, potassium. On a commencé à commercialiser, on a commencé à utiliser ça dans leurs différentes industries. Ils ont commencé à faire des productions à grande échelle. Maintenant, quand ils ont fait, dans un premier temps, ça a marché, ça, il faut le reconnaître, que bon, ça marchait et que c'était bon. Maintenant, comme l'appétit vient en mangeant, voulant faire bol de passe, comme il a dit dans le monde capitaliste, on a dit qu'il faut continuer. Maintenant, quand ils avaient commencé à être rassasiés, il fallait maintenant revenir dans notre pays, dans tout le continent, faire comprendre qu'ils ont faim. C'est-à-dire que l'Africain marché n'a pas peur de dire que non, tu as faim. Et ça rejoint ce qu'il a dit, que non, comment est-ce qu'on produit la banane et autres là? Produit le cacao, produit le café, produit l'EDA, donc tu vas venir, on va acheter ça cher, et maintenant c'est moi qui fixe le prix. D'ailleurs, si je te donne le prix qu'il n'avait pas, tu vas faire quoi avec? Tu n'as pas obligé de me vendre cela. C'est ce qu'il dit, on est venu, on a donc commencé à intégrer cela. Dans un premier temps, ça marchait, ça veut dire que quoi? Le papa, l'autre différent papa et autre, on a dit que bon, prends, voilà 150, parce qu'avant, le papa lui faisait le troc, c'est-à-dire, on donne, je te donne deux chèvres, tu me donnes des quatre sacs, c'est comme ça qu'on faisait, oui, il n'est pas habitué à l'argent. Dès qu'on prend la pièce, on dit que bon, voilà ta production de cacao, de café que tu as fait, 150, il compte 15 billes de 10 000. Comme ça, on dit que ce que ceci peut faire, c'est beaucoup. C'est comme ça que donc cette dépendance à l'argent, cette dépendance, cette acculturation a continué de manière stratégique. Et maintenant, ce qui a fait, c'est que le pâté, c'est que non, je peux rester, j'attends un an, je vends ma production, j'ai de l'argent qui va me permettre à, dans un premier temps, comme je dis toujours, ça marche, je vais acheter dans un bon prix. Maintenant, après, il a commencé à voir. Et quand il a commencé à faire ça ici en Afrique, il part, il commence à faire ça en Asie, il fait ça en Amérique latine, il crée la compétition. Quand il crée la compétition, qui dit compétition, il dit qu'on doit baisser le prix.